Salut les voyeurs. On se retrouve après presque une semaine. Hein. Ouais, pratiquement. Out. Comment? Out. Out. Ouais. Ouais, pas out. Non, out. Out. Ouais, d'accord. On est en out. Ouais, on est en off. Ouais. Et ça fait plaisir de vous retrouver en tout cas. Ah oui, moi je suis contente parce qu'on s'est bien reposé, maintenant on est en pleine forme. Là on entend au loin, c'est un bateau bateau boîte de jour parce qu'on n'est pas en pleine nuit, mais tout à l'heure la musique marche à fond et là maintenant il parle. Il nous saoule déjà lui. Mais il s'en va, donc on est tranquille. Ouais. Donc là nous sommes à Cascalesi. Ouais, Cascalesi. Cascalesi. Une ville qu'on avait déjà visitée l'année dernière, hein. Vous pouvez aller voir les vlogs. Hein. D'ailleurs, comme toutes les villes qu'on a croisées depuis Mardin. Donc Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, Mardin. Mardin, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait à Mardin? Petite rétrospective. Ouais, on a passé donc 2 jours et demi à Mardin parce qu'on est arrivé pendant les obsèques de la tante de la nana qui nous avait accueillis l'année dernière. Voilà. Donc on a été conviés, on a été très bien reçus, même si c'était un moment gênant. Non, l'hospitalité hors pair. Incroyable, comme d'habitude. Ensuite, on a même vécu une tempête de sable. Ouais, une petite tempête de sable, hein, pas non plus. Ouais, c'était pas un ouragan, mais quand même. On s'est pas caché. C'était notre première. Ouais. Ensuite, nous avons repris la route direction. Ouais, Mersin. Donc presque 8 heures de route. Hein. Beaucoup de route, une chaleur étouffante, comme d'habitude. Bah, comme ici, hein, on est à plus de 35 degrés. Je coule de partout, j'en peux plus. Dis pas n'importe quoi, j'ai fait une story sur Instagram, c'est 31 degrés. Ah bon? Eh ben, c'est pas le ressenti, comme ils disent. Ouais. Donc, à Mersin, on a fait une petite pause également. On est allé voir nos amis également qu'on avait rencontrés l'année Mustapha dernière. Mustapha et Soussou, voilà. Qui ont une petite fille. On a passé 2 jours avec eux. Voilà. Ouais. C'était sympa. On est allé à la mer. On s'est baigné dans la Méditerranée. Waouh, c'est pas la même température que sur la Côte d'Azur. Hein. L'eau, elle est chaude. 29, comme 30. Le bain. Ouais, c'est un truc de fou. Mais bon, c'était très bien aussi. Très bien. On ressort aussi moite que ce qu'on est rentré. Voilà. Et donc maintenant? Eh bien ce matin, nous avons quitté Mersin, on a fait une petite heure de route pour arriver donc ici, à Cascalesi. Et c'est d'ici qu'on va reprendre l'exploration de la côte méditerranéenne jusqu'à Antalya, à près de 400 km d'ici. Ouais, parce qu'on ne connaît pas du tout voilà, ce coin. Cette partie, c'est nouveau pour nous, ça c'est sûr. Donc, bah, tout en freestyle, comme d'habitude. Ouais, parce que là, on ne sait pas du tout. Je sais qu'on va à Antalya, mais on va peut-être mettre 2 jours pour y aller, ou 3, ouais. On ne sait pas. Donc on va faire des petites haltes. Et puis on verra ce qu'il y a à voir. Ouais, on va redormir dans mercredi certainement. Ah, il y a de fortes chances, ouais. Et voilà. Mais bon, ben. On y va. Faut peut-être attaquer maintenant, là, parce Allez. Que sinon. Allez, bouge, on y va. Ouais. Qu'est-ce que tu fais encore? Je regarde pour acheter des tongs. Des tongs? Et alors, les tongs? 3 euros, la paire. Mais ça, il en fallait. Exactement. Je vous montre quand même. Waouh! Trop belle! Et toi, Wiki? Pour l'instant, je vais vous faire la monnaie. T'es chez Coulé Délé. Tu vas être bio comme un camion. Bleu, blanc, rouge, quoi. Ah, trop fort. Quelle est cette destination secrète, Wiki? Je pense que c'est encore un truc qui va te plaire. J'ai vu qu'il y avait un site historique, on peut dire, avec des sculptures dans la roche. Le problème, c'est que je pense qu'il faut garer la voiture sur un parking et ensuite il va falloir descendre dans les rochers et tout pour y accéder. Je crois qu'on va bien se parler encore une bonne idée. Ouais, bravo Wiki. Bon, bah à partir d'ici, on peut plus rouler. Et surtout, c'est changement de tenue parce que je pense que ça va bien descendre dans les rochers, maman. Super. T'es contente? Trop contente. En plus, je mets les baskets du chat noir, ça se trouve, je vais me casser une jambe. Peut-être. On verra ça après. Alors, Wiki. Bon, mais maintenant que tu es équipé en baroudeuse, on peut y aller. Donc, apparemment, il faut suivre à partir d'ici les flèches rouges sur les rochers. Et en tout cas, c'est le bon endroit parce que le panneau Adam Kayala est ici. Bon, par terre, mais ici quand même, présent. Alors, à la recherche des flèches rouges maintenant. Ouh, encore une flèche. Et puis encore une ici.
Ça va, c'est pas la mort non plus. Non, pas encore. Quoi, pas encore, c'est ça? Bien, maman, pas de risque. T'as vraiment des idées de merde. Apparemment, ça descend bien quand même. Et c'est ça, hein, la flèche, elle est bien ici, hein, c'est marqué. Sois prudent, hein. Oui. Ça va? Non, tu fais chier. Quoi, je fais chier? Tu m'énerves. Mais ça se trouve, c'est sensationnel ce qu'on va aller voir. J'ai intérêt que ce soit sensationnel. Putain, j'ai le vertige en plus. C'est pas pire que le volcan Serra Quemado, hein? Si. Ah oui, bien sûr. Bon, bah après la descente, on remonte. Mais j'ai cru apercevoir le site il y a quelques instants. Oh, c'est beau! Ça valait le coup! Et tout au bout là-bas, on voit la ville. Ouais. Et la mer. On demande quand même que ça descend. Parce que... Je les vois, à 20 mètres devant nous, les sculptures dans la roche. Ils avaient quand même fait des marches, hein? Ouais, ou alors ils les ont fait pour les touristes, pour ceux qui veulent bien s'aventurer ici. Mais il n'y a personne. On va voir des masses. Ouais. Waouh! Eh ben, mon ami. C'est beau, non? Franchement. T'as intérêt à dire un truc, Wiki. Bon, bah, j'ai pas vu grand-chose, donc ça date de 200 ans après Jésus-Christ. Ça représente le festin de quatre morts. Il y aurait 11 personnages en tout, sculptés comme ça dans la roche, dans des cadres. Voilà, j'en sais pas plus. Après, je peux détailler autant d'hommes, autant de femmes, une chèvre, mais bon, on le voit. Je peux pas tout dire non plus, je suis fatigué. Par contre, cette fois-ci, j'ai pensé à prendre de l'eau. J'ai bien fait, je crois. Alors ma chérie, j'espère que ça t'a plu. Super, maintenant tu m'offres à boire. Ben je veux bien, mais d'abord, il faut remonter là-haut. Ouais, oui, on m'entend souffler. Oui, c'est bon. On y est presque, enfin presque. Il ne reste plus que cette dernière grimpette. Et après, il y a de l'eau dans la voiture, ça c'est bien. L'eau chaude, mais c'est mieux que rien. Parfois, quand on aperçoit mercredi, eh ben, c'est un moment de joie immense. C'est peut-être con de dire ça, mais c'est en tout cas ce que moi je ressens. On se retrouve après, on va récupérer un peu. On vient d'arriver à la voiture, je suis cramée. Je me suis trop fait la tête, j'en peux plus. Hein, Wiki? Tu fais pas ton malin, hein? Non, je suis cramée aussi. Mais bon, ça valait le coup. Oui. On n'est pas des masses à y être allés, hein. Non. Mais il y a quand même des Turcs qui arrivent en tongs, la fleur au fusil. Ça va être compliqué, on leur a dit de mettre des baskets. Il y a surtout un groupe qui est remonté au bout de 2 minutes. Ouais, c'est impossible. Clair. Ou trop dangereux. Je suis morte. Vas-y, je suis prête. Allez, on ferme. Donc, rapidement, la direction Wiki. On se rend dans la ville de Silifke. C'est à 20 km du site qu'on vient de visiter. Super, là-bas, on va pouvoir boire. Oui. Peut-être manger aussi, si on n'a rien mangé hein, depuis hier. Pour une fois que tu as de bonnes idées, parce que là, ton site à midi pile. Je ne choisis pas l'heure à laquelle j'arrive sur les sites. Hein. Je roule et puis c'est tout. Hein. Et au fur et à mesure, il y a un truc là-bas, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Le site Adam Kayala. Ouais, The Rocks, quelque chose comme ça. Ouais, l'essentiel c'était d'y aller. Oui, c'était sympa, mais c'est pas conseillé à tout le monde malgré tout. Non. Non. Bon, c'est bon, t'as fini, on peut rouvrir les fenêtres.
C'est parti. Ouais. Nous voici arrêtés pour acheter des fraises. Super. Super. Oh bébé. Apparemment tu te régales, on avait fait s'arrêter. Exactement, donc les tipeurs sont de retour. Pour ça je remercie Eric pour son tips. Grâce à lui je peux acheter des fraises. Merci Eric. Bon, pour info, 25 lira, 2,50€. T'as vu? Carbone. J'espère que t'as rien fait. C'est-à-dire? La police? Ah. Eh non, c'est une ambulance. Donc on vient de traverser Kistifliflu. Silifke. Silifke. Il y a un château. Moi, les châteaux, avec ce qu'on vient de crapahuter, franchement, c'est impossible. J'ai pas insisté. Elle m'a dit, franchement, le château, tu penses que... J'ai compris que ça voulait dire, on n'y va pas. Il avait pas trop... Il y avait un superbe pont à voir. Et en rénovation complète, donc c'est mort. Et puis ensuite, la ville de Silifke. Silifke, c'est aussi le nom d'une danse folklorique auquel les danseurs ils dansent avec des cuillères. Mais il n'y a pas de spectacle. Il n'y a pas de représentation ce soir. Donc on va tracer la route et puis on verra bien. On va s'arrêter un petit peu plus loin pour manger, ouais. Parce que là on vient de se taper les 2 kilos de fraises. Presque, ouais. Il m'en reste encore une, deux. Hop là, merci. Allez, c'est vert là. Non. C'est pas vrai en plus, il va me faire des conneries là. C'est là qu'on va manger, Wiki? Oui, il y a de fortes chances. La mer à 30 mètres sur ma gauche, mais surtout le restaurant à 5 mètres sur ma droite. Wiki, que se passe-t-il? On s'assoit, on s'en va? Eh oui, je vais pas manger là. Il a une carte comme ça avec toute la... des bons plats turcs, il n'en fait pas un seul, il fait que des hamburgers avec des frites. J'ai pas fait près de 9000 km pour manger un hamburger. Donc on va ailleurs. Changement d'eau et crèmerie. En théorie, ici, on devrait manger turkish. C'est parti. Et voilà le cuistot. Hop, sa cuisine. Voilà, c'est la maman, merci beaucoup. La maman, c'est un plat que tu as. C'est ici, vous avez dit qu'elle a un jour là. C'est un humilié, on va dire la maman. Oui, bon, bon, bisous. Allah, on a tout le temps, c'est ce qui se passe. Allez, c'est parti. Je n'ai qu'un seul mot, bon appétit. Kebab et tabouk 6, brochette de poulet. Ouais, c'est ça. Et Adana Kebab pour toi. Très bien, bon appétit. Avec une super salade. Tomates, concombres, poivrons. Je pense qu'en Turquie, c'est les plus gros consommateurs du monde de tomates et de concombres. Oh, c'est bon. Continue. Je m'en fous, j'ai mon assiette, hein, regarde. Wiki? Oui. Combien ce petit repas? Avec les boissons, j'ai pris un thé ensuite, 9,50€, 95 lira. C'est correct, c'était deux belles assiettes quand même. Ah oui. On a super bien mangé. Oui. Maintenant, il ne reste plus qu'à tracer la route. On en dira un peu plus dans la voiture. Non, on ne dit pas. Noter sur mon petit carnet. Non, on ne dit pas dans la voiture, il va faire 42 degrés. On dit c'est maintenant. C'est ce qui est rigolo. Alors? On va à Anamur. Pas mon amour, hein. Anamur. C'est à 2 heures de route d'ici, un peu plus de 100 km. D'accord. Et on verra ce qu'il y a à y voir. Ah, je sais déjà. Je crois qu'il y a un château. Dis donc, Wiki, il est beau ce château. Oui, il est beau. Le château de Mamouret. Il porte mon nom, tu sais pourquoi? Parce qu'il est à plat, faut pas monter. Et ce qui m'inquiète, c'est que le parking est fermé, on est garé sur le bord de la route. D'ici que ça se passe pas comme je veux, il n'y a pas loin. Ah,
Alors, Wiki ? Alors, c'est ce que je pensais, il est en rénovation. Donc, on nous a permis de rentrer juste là, au niveau de la porte, et ça s'arrête là. Dommage. Super édifice, 39 tours, avec des douves quasiment intactes et tout. Bon, ah, il est beau en tous les cas. Oui, magnifique. On verra si on peut faire quelques plans de l'extérieur. Bien. Donc, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on lui demande donc de remplir le livre d'or, alors qu'on n'a pas pu accéder à la visite puisque c'est en rénovation. Mais bon, elle va se prêter au jeu. C'est super joli. Vas-y, tu peux écrire. Nous n'avons pas pu visiter ce château parce qu'il était en restauration. Donc, c'est super. Donc, le château est fermé, mais il a remarqué surtout que j'aimais bien manger. Donc, il m'a proposé ce fruit qui ressemble à ça. Et il m'a dit, c'était très bon, quand c'est jaune, orange comme ça, tu l'ouvres, à l'intérieur, il y a des fruits. Oh, c'est beau! Et il m'a dit, tu peux les manger. Donc, bien sûr, vu la gueule du fruit, j'ai attendu, il a goûté avant moi. Et effectivement, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais les tortues, elles aiment bien. À défaut, ouais. À défaut de voir un château, on a des dizaines de tortues à nos pieds. Wiki ! Ouais ? J'ai pas trouvé un petit camping sympa ? Si, franchement, on va dire. On est juste face à la mer, il y a un peu de vent, ça c'est bien. On est juste à côté de ce fameux château. Oui, on a fait 100 mètres. Ouais. Non, ça va être sympa. On plante tout ça, on souffle un peu, et puis après, il faudra aller manger parce qu'il est déjà 17h30. Wiki ? Tu le vois, ce château ? Oui, on va faire des petites photos tout à l'heure. Ouais, il mérite quand même. Ben oui, sinon... Un château édifié au XIIIe siècle. Par les souverains. Le mec, il faut qu'il la place, c'est un truc de fou ça. Non, j'arrête là. Je dirais pas de qui l'a fait ni rien. Voilà. Dis-moi plutôt combien on a payé ce superbe petit camping. 100 TL, 10 euros. C'est correct. On est face à la mer. Il y a des commodités. Je pense que c'est sympa. Apparemment, il y a des lavabos. Ouais, il faut pas être trop grand quoi. C'est bien pour laver les genoux. Ou les pieds. Il y a de l'eau déjà. Ah, il y a de l'eau, ouais, tout va bien. Ensuite, bon, on attaque après les lavabos. Les douches, bon, des douches mais extérieures. Ah, en plein air. Ouais, je sais pas ce que ça donne. Je fais un essai d'eau, voir si ça marche. Celle-là, non. Ça se trouve, ça marche pas. C'est peut-être pas celle d'extérieur qui fonctionne. Ouais. Ah, si. Super. Il y a l'eau, les bidons, ils sont là-haut. Je vais vous montrer ça. Attention. Les réserves d'eau. C'est là. Des toilettes également apparemment. Ouais, je vais regarder s'il y avait de la lumière, mais bon. Toilette turque, mais sur le premier. Et ensuite, traditionnelle. Le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Très bien. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrête de faire des plans des sanitaires, des fleurs, et qu'on aille boire un coup, c'est moi j'ai soif. Qu'est-ce que tu trafiques ? Je pense que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Des douches, mais des douches fermées, pas en plein air. Ah super. Et ça fonctionne, j'ai essayé. Par contre, voilà, le bar est fermé. Sauf qu'il n'y a pas de bar. Par contre, elle se barre, oh, elle. Ça y est. Quel jeu de mots, les chèvres. Donc on va vous montrer des chèvres maintenant. Elle dépouille le jardin. Hop, 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 on est en terrain miné apparemment. Et non, pas du tout, nounouille. 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 C'est nouveau, ça vient de sortir ça. Non, mais c'est parce que ici, tous les étés, les tortues,
elles viennent pondre sur cette plage. Et du coup, ils ont balisé, la plage est accessible, mais tout est balisé. Apparemment, elles sont pondues ici. Mais vu comment ils ont planté le truc, ça me fait peur. Dis donc, t'en sais des choses. Je l'ai lu, figure-toi. Moi aussi, je lis, monsieur. Allez, je vais à la baille. Et t'arrêtes de me filmer. Oh, c'est beau ce château, mais moi j'ai une information importante. Il y a deux campings, l'un tout à côté de l'autre, au pied de ce château de Mamur. Ouais, hein? Mamouré. Il y a le premier camping qui s'appelle Camping Dragon, je sais pas quoi. Dragon, lui il est à 150 TL. Et lui, celui dans lequel nous nous trouvons, il s'appelle Paradise Camping et il est seulement à 100 TL. Le choix il est vite fait, je trouve. Donc on ne doit pas bouger parce que sinon l'appareil fait un flou et c'est super moche quand on regarde la vidéo. Oui. C'est pas Wiki. Ben oui, c'est pour ça que je te dis, recule pas trop, n'avance pas trop, le suivi est sur ton visage. Waouh. Wow. Bon allez. Hop, hop, hop. À part ça. Ah oui. Donc ici, c'est l'Arche de Noé. Il y a des poules, des chèvres, des chats, des chiens. Et c'est fini. Des enfants. Sacrée Arche de Noé, hein. Eh oui, des hommes, des femmes, il y a tout. Ouais. On est super bien. Non, on est bien face à la mer. Le jardin est magnifique. On va dormir à plat, dans la voiture. Les douches sont chaudes. Très très chaudes, c'est vrai. C'est important. La lessive est faite. Il ne reste plus qu'à nous faire à manger. C'est moi qui prépare le repas ce soir. Donc il y a deux tomates. Voilà. Deux tomates, deux yaourts. On a du sel. Ouais, super. Ça va le faire quand même avec un café, des petits gâteaux au chocolat. Et sinon ce soir, aujourd'hui, on était un peu chat noir. Ouais, c'était la reprise et pas terrible quoi. Le premier village que j'avais sélectionné, bon bah franchement, le pont en travaux, le reste, rien d'extraordinaire, c'était pas terrible. Ouais, on est passé. Après, t'avais trouvé le château sur la carte, on devait arriver dans cette ville. Et le château en restauration aussi, franchement, pas de bol quoi. Ouais, il y a que... Heureusement que j'ai trouvé un site historique au départ. Hein. Ouais. Certes, pas facile d'accès, mais ça valait le coup. Ouais. Enfin, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu. Je sais pourquoi il nous est arrivé tout ça. J'ai mis les baskets de Maria aujourd'hui. Le chat noir. J'y avais pas pensé, moi. Elle nous a porté l'œil. Ouais, vraiment, elle est foutue à la poubelle, ses pompes. Sérieux. Donc, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et on vous dit bonne nuit, les petits. J'espère que ça n'a pas fait de fou, c'est moche. Eh ben sinon, ça restera comme ça. Allez, moi, j'ai envie de dormir.